Y'a plein de potes, vous allez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour les villes de France, 5 ou 6e épisode, je sais plus, j'ai perdu le compte. Après Avignon avec Pompon, on avait fait un petit détour par le sud, on retourne à l'ouest et ça fait des semaines et des semaines que j'ai promis à mon frère Yas de venir le rejoindre à la fin de l'été à La Rochelle, l'île de Ré un petit peu, vous allez voir, ce sera un hybride aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien mon frérot ? Bah je suis très content Zach de t'accueillir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je t'ai vendu, survendu La Rochelle, mais surtout l'île de Ré parce que je suis rété par Rochelet. Le temps est un peu bizarre aujourd'hui. Il pleuvait tout à l'heure, là c'est mieux. Pluie, soleil, donc là il fait beau, on en profite. Franchement je suis content que tu sois là, je suis content que tu découvres enfin le cadre exceptionnel qu'est La Rochelle et l'île de Ré. Ouais. Là où j'ai passé toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans, école, collège, lycée, etc. T'as une maison encore à l'île de Ré, c'est bah, ça? Bah moi en ce moment du coup je suis chez ma mère. Okay. Là je suis chez ma mère sur l'île de Ré, donc là on se trouve à La Rochelle. Okay. Là on, il me semble, parce que excusez-moi évidemment, je ne suis pas Rochelais, je suis Rété. Donc là c'est l'avenue du Mail, c'est là où il y a le casino, pour les Rochelais qui connaissent, c'est là où il y a l'Oxford. L'Oxford. Bon. L'Oxford qui est une boîte de nuit, voilà, douteuse. Douteuse, playlist Skyrock où il y a des bagarres, bref. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Ça va, tu passes un bon été ou pas? Ah, moi je passe un été incroyable. Ben moi je ne vais. Je te l'avais dit, de toute façon je vais jamais sur La Rochelle. Je suis toujours sur l'île de Ré parce que nous sur l'île de Ré, bah ben, moi déjà j'ai mes potes d'enfance, j'ai ma mère, et puis surtout, ben moi j'ai tout sur l'île de Ré. À la limite, moi quand je vais sur La Rochelle, c'est que pour aller au McDonald's ou des trucs comme ça. Parce pour que des bonnes activités quoi. Voilà, parce que sur l'île de Ré, nous on n'a pas ça. Du coup, ben on prend la voiture, on traverse le pont et on atterrit ben, à La Rochelle. Et puis voilà, ici on traîne pas trop souvent, on va juste au McDo un peu plus vers là-bas, mais on verra pas de toute façon. Et là t'as voulu qu'on commence pour avoir un petit peu cette vue, c'est ça? Bah là du coup on est avenue du Mail, juste derrière c'est la plage de la concurrence. Je vais pas te mentir que le jour où j'ai eu mon bac, tu pouvais me retrouver exactement sur ce banc là. C'était au moment où Nekfeu venait de sortir son album Feu, en plus je m'en rappelle. Tu sais, les time codes dans la tête. Vraiment. Et j'étais... le soir du jour de mon bac, j'étais bien dégueulasse. J'étais bien dégueulasse sur cette plage. C'est marée basse, là? Parce que là, après, c'est marée cailloux, basse. Là, ton truc. Là, c'est marée basse. Je sais pas du tout à quelle heure elle est haute. En fait, là, c'est... Comment dire? Il y a un restaurant. D'accord. Au-dessus de l'Oxford, tu vois. Ouais, juste là-bas, là. Là, du coup, c'est un resto avec petite vue et tout, franchement, propre. Et juste en dessous, du coup, bah, c'est l'Oxford, Papagayo, nanana, bref, là pour faire la bringue. Et non, franchement, c'est plutôt pas mal. Après, moi, je t'avoue que ici, je me suis jamais baigné de ma vie. C'est ce que j'allais dire, frère, j'ai pas l'impression que ce soit très baignable, parce que là, tu regardes, ça fait un peu... Bah non, il y a de la vase, des algues et tout, mais ça fait un peu marécage, là. On verra sur l'île de Ré, tout à l'heure, les plages, elles sont... beaucoup mieux. Après du coup si c'est marée basse, bon ça va pas être la folie. Ça va pas être la folie, mais c'est déjà largement mieux. Ok. Et voilà, donc là ce qu'on va faire, je pense, on va se diriger vers le centre-ville, vers le Vieux-Port. On va aller voir les tours Saint-Nicolas qui sont une institution sur La Rochelle. Cool ça. Ensuite on va aller vers les Minimes, tout ça, le Gabu. Moi j'ai envie de voir le décor de carte postale là sur toutes les images de La Rochelle. Bah, tu vas voir, la sorte de port et tout. Tu vas voir, puis en vrai non ça va être cool. Et après on va aller sur l'île de Ré, on n'aura pas le temps de tout faire, hein, donc dans les commentaires me dites pas ouais mais il t'a pas montré ça, c'est impossible. On peut pas tout faire. Donc là à l'île de Ré ce qu'on va faire c'est que je vais l'emmener peut-être la flotte. Ouais. La flotte qui est considérée comme une des plus belles communes de France, d'Europe, voire même du monde, et ensuite on ira à Saint-Martin. Bah, Saint-Martin-de-Ré, ouais, qui est considéré entre guillemets comme la capitale de l'île de Ré, qui a été construite sur des fortifications à l'époque de Vauban, etc. C'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, mon gars. Attends, mais frère, je pensais qu'il avait pas de culture, mais gars, t'es en train de nous avancer un petit peu, là. Patrimoine mondial de l'UNESCO, donc on va te montrer tout ça. Je t'emmènerai à la Martinière, qui est aussi un des meilleurs glaciers de France. Okay. Pour moi, tout ce qui a en rapport avec l'île de Ré, c'est le meilleur truc de France, tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, ça va être cool. Puis après, normalement, si tout se passe bien vers la fin, on va faire un petit foot avec mes collègues. Ça va être cool. Si le temps le permet, on va voir une petite plage ou quoi. Non, franchement, c'est énervé. Tu m'as fait un bon programme, ça me fait plaisir, cool, mon ça bon va être cool. Moi, j'ai toujours préféré, et ça, je sais que plein de gens ne sont pas d'accord, mais moi, je le dis, on est dans l'ouest de la France, donc je pense que mes gars, ils seront d'accord. En tout cas, pour la plupart, j'ai toujours préféré l'océan à la mer. Bah, ok, là je suis d'accord, c'est vrai que ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver, mais moi... tu vois ce sable, ces délires et tout, tu vois l'horizon machin, l'océan, ça me parle 100 fois plus que la mer. Même si la Méditerranée c'est très bien. Moi je trouve que la mer Méditerranée, pour le coup, bah je sais pas, moi je préfère, tu vois, moi l'océan et tout, moi je trouve que l'eau elle est froide, tu vois, il y a des algues, il y a des méduses, tu vois, il y a de l'eau, dans l'eau il y a des rochers et tout. Bon, pas ouf. La Méditerranée c'est un délire, disons, différent. Moi la Méditerranée, tu sais c'est où que je la préfère? Où ça? En Corse, mec. En Corse? Ah, j'y suis jamais allé en Corse. Bah moi... Peut-être un jour les villes de France en Corse, mais dans le sud de la Corse, Yas,
c'est vraiment... J'étais à Santa Giulia, c'est juste à côté de Porto Vecchio, tout ça. Ouais. Et vraiment, c'était... T'as l'impression d'être aux Bahamas. C'est de l'eau claire, chaude, pas très profonde, tu vois. Et vraiment, ça me faisait kiffer. Mais moi, quand même, j'avoue, j'ai connu la mer par quoi ? Enfin, l'océan par quoi, pardon ? Ouais. Quand j'allais au Maroc, quand j'étais plus jeune. Ah oui, ok. Et donc, par contre, je peux t'assurer que quand t'es au Maroc, bail de... Tu vois, moi, j'avais connu l'océan que là-bas. Le bail de l'océan, c'est froid. J'étais, non, en fait, c'est normal, tu vois. Parce qu'au Maroc, crois-moi que l'océan est pas spécialement froid. Ah bah par oui, il y a des régions ici, où ça caille, tu vois. Ici, pour le coup, là, faut être quand même un petit peu motivé. Là, surtout aujourd'hui, je pense que l'eau, elle doit pas être. Il commence à faire chaud, là. Hein. Là, par contre, ouais, il commence à faire chaud. Après, moi, j'ai dit, Zach, franchement, petit homme maudit parce que. Tout l'été il a fait beau, il est arrivé, pluie, chute de température, mais vraiment hein. Mais attends Yass, tu vas très très vite, qu'est-ce que c'est que ce joli truc? Alors là ça je ne sais absolument pas ce que c'est. Tu sais pas c'est quoi ça? Non je sais pas du tout, moi je t'ai dit je connais pas La Rochelle non plus comme ma poche. Mais par contre je sais que c'est là où il y a les Francofolies. C'est là où il y a d'accord, le gros festival. Ouais, c'est là où il y a le festival des Franco, où cette année il y avait Booba, Vald. T'y es allé? Je pouvais y aller, j'avais eu des places, j'y suis pas allé parce que je sais pas, ça m'intéresse pas. Et surtout que c'est là où il y a, en gros, il y a trop de monde. Il y a trop de monde et tu vois, Toi t'aimes pas quand il y a du monde toi? Bah, c'est invivable, c'est pas ouf. Putain, par contre, là on passe par des coins, je n'y suis jamais allé. Et mais là, mec, j'ai cru que tu savais ce que tu faisais là. Je te jure que non. Non mais là franchement c'est plutôt pas mal. Mais je t'ai dit c'est qu'en fait moi La Rochelle, bah j'y allais quand j'étais au lycée. Parce qu'en fait quand t'habites sur l'île de Ré, regarde là, c'est pas mal ça putain. Ça fait du bien. Là ça fait du bien, tu vois le petit côté marin. En mode thalassa là vraiment. Là j'ai l'impression que c'est surtout le côté station d'épuration. Ouais, vraiment. Bah j'ai fait mon école primaire et mon collège sur l'île de Ré. Mais en fait t'as pas de lycée là-bas. D'accord. Et du coup bah t'es obligé de faire ton lycée. Donc c'est école primaire, collège sur l'île et après ça va dans la ville quoi. Voilà exactement. Et en fait bah moi en plus j'étais dans un lycée, pour ceux qui connaissent, le lycée Saint-Exupéry de La Rochelle. Déjà quand tu vas là-bas, bon t'es un peu un indésirable de la société. J'étais un indésirable de la société. Regarde ce que t'es devenu. Et ouais, bah oui, regarde ce que je suis devenu, voilà. Il est et bien maintenant. En fait le truc c'est que, bah, par exemple pour ceux qui connaissent La Rochelle, il y a le lycée Doté, Fénelon, qui sont vraiment dans le centre. Et en fait bah là dans le centre ils voient tout ça, voilà. Monsieur, petite œuvre, c'est pas mal. Bruce Krebs, ça date de 99. 99, de génération en génération, les personnages lisent dans la tête de ceux qui les précèdent. Comme le transfert de la mémoire de génération en génération. Non mais tu vois, tu me fais découvrir La Rochelle. Moi, je ne connais pas du tout. En fait, c'est les villes de France et on découvre ensemble. Mais vraiment, pour le coup, bah, moi, j'ai jamais mis le pied ici. Moi, comme je sais plein de charme. Ouais. Bah, ça, c'est que regarde, Alex montre-leur la petite maison en face et tout, tu vois, ça... Voilà, ça a de la gueule, là ça pète. Palmier, etc. Temps sympa. Désolé, je t'ai coupé ce que tu disais sur le lycée. Moi je disais, bah, mon lycée, bah, en fait, moi il est pas dans le centre, il est pas du tout dans ce coin-là. Ok. Enfin, il est, tu vois le mail où on était au début, il est un peu plus loin. Et en fait, il est à côté du stade de rugby du stade Rochelet. Celui qui a gagné la Champions Cup la saison dernière. Ouais. Et du coup, bon, moi, tu vois, j'avais pas du tout l'habitude de traîner dans ces coins-là. C'est pour ça qu'en fait, il y a des coins de La Rochelle que je connais pas du tout. D'accord. Je connais bien plus l'île de Ré pour le coup. Que c'est là où je suis né, enfin voilà. Tout à l'heure tu me disais que toi t'as eu le lycée des indésirables, tu m'as dit qu'il y avait un autre lycée qui avait quelques particularités, non? Attends, ah oui non mais c'était le lycée Doté. Non mais le lycée Doté, je disais juste que c'était rempli, c'est les bobos, les gens, voilà. Après, les privilégiés. Voilà, les privilégiés, après voilà, quand t'es à Doté, bon, souvent t'es intelligent, t'auras une belle vie. Alex, fais-nous le plaisir de nous suivre de derrière avec cette belle vue, regardez-moi. Tu sais quoi, vu que toi tu ne sais pas ce que c'est, Google saura ce que c'est. Ça s'appelle la tour de la lanterne. Ah ok, je sais pas du tout. Tu connaissais pas du tout? Pas du tout. T'es allé au lycée dans cette ville? En fait, c'est que moi, tu vois, je vois cette tour, je la connais pour le coup, mais je connaissais pas le nom ni. Phare médiéval avec flèche gothique, graffiti de prisonniers datant de l'époque où c'était une prison. Et vu sur le port. Ah bah ouais, mais voilà, c'est pas mal. Tu vois, les gens en plus ils montent dessus, un peu comme les Tours Saint-Nicolas. Bah du coup les Tours Saint-Nicolas on va les voir, ouais. C'est là où tu sais il y a la compétition, le Red Bull Cliff Diving. D'accord, ça c'est hyper stylé. Ouais, genre, si vous connaissez pas les trucs de cliff diving, c'est vraiment incroyable. Ah, tu vois, putain c'est beau hein. Ouais, franchement rien à dire. C'est que ce début comme ça avec petite plage à marée basse suivie de la tour. Ah c'est pas mal hein. Ah, c'est capture. Je dirais même que là, ça. Tu vois les gens, bon, je suppose qu'ils font la queue pour monter. Ouais, c'est sûr. Et aussi, ce qu'il y avait à visiter à La Rochelle, regarder, c'est l'aquarium de La Rochelle, qui est considéré comme
un des meilleurs aquariums d'Europe. Mais vraiment? Ouais, vraiment. Apparemment, énervé de fou. Franchement, une très belle expérience. Bah, c'est quoi? C'est avec les espèces qu'il y a là-bas, des trucs comme ça? Ouais. Et le problème, en fait, bah, c'est que, bon, là, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire. Hein. Là, c'est une dinguerie, dis-toi, l'île de Ré. Habituellement, en termes d'habitants, on est genre, allez, 13 000, on va dire. Ouais. L'été, ça double. Enfin, ça double. Non, je suis un con. Ça va même pire, non? Non, c'est x10. Ouais, voilà. 130 000. Dites-vous, Lioré-des-Mares, ça fait pareil. Alors ouais. Ça, c'est le classique avec les petits cons français qui vont faire la teuf là-bas. Mais quand j'étais à Lioré-des-Mares il y a quelques années, j'étais allé en mai. Genre, j'avais vu que ça passait de pareil de 30 à 300 000, un truc comme ça, tu vois. Ah non, mais et du coup, l'île de Ré, c'est une vraie dinguerie. Pareil. En plus, nous, pour aller à l'île de Ré, il faut payer un pont qui coûte 16 euros. Enfin, les ça, il m'a raconté, j'étais pas au courant, la honte. Vraiment, j'ai trouvé ça scandaleux. Les rétés, nous, on paye pas. Parce que voilà, on habite là-bas, on va pas payer pour aller chez nous. Mais par exemple, si vous êtes vacancier ou. Bah, vacancier, vous voulez faire du. Je sais pas, vous y allez pour le taf, je sais pas quoi. Bah, vous devez payer le pont 16 euros. En gros, c'est. L'aller. Hein. L'aller 16 euros. Ensuite, vous revenez, c'est gratuit, tranquille. Mais si vous voulez retourner à l'île de Ré, c'est de nouveau 16 euros. Et ça, c'est l'été. Et l'hiver, ça coûte 8 euros. Et là, je peux te dire que la région, mon pote. Ça se régale. Ah bah il se régale. Après je crois que tu me disais il y avait des mecs qui pouvaient le faire en vélo et trucs comme ça. Ouais, et ça après à peu le près. Pont on peut le faire en vélo. Bon moi je suis un flemmard, surtout que bon faire 3 km de pont en vélo ça me fait un peu chier. Sinon c'est gratuit, en scooter c'est gratuit. Van tu payes une fortune, caravane tu payes une fortune. Dites-vous c'est un machin on va aller au Tour Saint-Nicolas, non? Il a son pote qui est juste devant et qui du coup part loin et Yas ne fait que bon, suivre on va le chemin grande horloge par son ami, je pense. Ok. Espèce de fraude, moi. Espèce de fraude. Je connais même pas ta ville. Ah, là je connais pas du tout, je suis loin. Là, tu vois, là, c'est le vieux port. Là, c'est le vieux port de La Rochelle. C'est ça les fameux trucs qu'on voit de partout, là? Là, c'est le vieux port de La Rochelle. Oh, et là, mon pote, c'est du régal total. Là, c'est beau. Là, c'est très, très beau. Yas, là, ça tue, là. Ah, là, c'est beau, hein. Bah, là, c'est vieux. Bienvenue à La Rochelle. Bienvenue bah à merci la gros, moi c'est ça que je voulais voir. Attends, bah, si tu veux, je crois que là, tu vois, c'est la deuxième tour. Ah, la fameuse. Là, c'est la tour vraiment que tu vois tout le temps en photo. Mec, avec le petit phare, la grande place ouais. Là-bas et tout. Là, bah, ça... tu vois la gare. Ouais. Où j'étais, bah, la gare est juste là. La gare, elle est vraiment. Quand t'arrives devant la gare, tu t'en doutes pas qu'il y a ça derrière. Ouais, non, la gare, elle est juste là. Tu vois, du coup, c'est des bateaux. Bon, là tu vois, il y a écrit croisière inter-île. C'est en fait, d'accord. Si tu veux, tu peux prendre le bateau. Qui part d'ici, qui te pose au port de Saint-Martin sur l'île de Ré. Et aussi, si tu veux aller sur l'île d'Oléron, bah, c'est possible aussi. Ok, donc ça fait un peu toutes les îles ouais, du coin. Ouais, et aussi l'île d'Aix aussi. On va suivre Quentin, on va avoir la grande horloge, on va passer par la place de Verdun. Incroyable. Après, on va, là-bas, là, tu vois, là où il y a les maisons colorées, c'est le Gabu et tout. Super, là où il y a des petits bars cool et tout. Franchement, non, c'est cool, c'est énervé. Et genre, quand t'es dans la ville et tout comme ça, il y a... Elles sont où les activités? Genre c'est où qu'il y a des touristes? Bah, là, bon là je suppose là, bah, c'est là, où que ça bouge, c'est, bah, ça se passe là, comment un peu? Pour un jeune par exemple? Ouais, ou de ce que tu connais toi? Bah moi je sais que en tant que jeune, les gens ils vont Cours du Temple, c'est là où on y va là en ce moment. Ouais. Cours du Temple c'est là où il y a tous les bars et tout, non, après bah, ils bougent à l'Oxford ou après il y a une autre boîte qui s'appelle le Blackout. D'accord. Genre là ou alors... le Blackout? Le Blackout vraiment. Ou genre le White Rabbit ou des trucs comme ça. C'est bien le Blackout. Mais ouais tu vois les et, tu vois La Rochelle c'est une sacrée ville étudiante quand même hein. Ah ouais vraiment? Il y a une fac hein, il y a fac, il y a des écoles de commerce et tout mec c'est... Tu sais que moi je pensais, alors peut-être à tort, mais je pensais que c'était un peu ce genre de ville où genre il y a du monde que l'été et le reste du temps c'est la mort. Ah non, La Rochelle pour le coup c'est assez étudiant. Ouais il y a fac, école de commerce et tout, les jeunes ils bougent là où on est là, dans le vieux port, il y a plein de bars au vieux port et non c'est plutôt pas mal hein. Énervé, sérieux. Ouais, c'est plutôt pas mal. Moi, tu vois, je pensais, genre, quand, typique, alors c'est sans doute un défaut que j'ai, tu sais, genre, moi, j'ai jamais vécu à la mer, moi, tu vois. Et genre, quand j'étais à Ajaccio, ou tu sais, ou en Corse, ou des fois, genre, souvent, je me fais un effet où je me dis, putain, l'été, ça se voit que c'est cool. Le printemps, début d'automne, quand il fait encore chaud, ça doit être grave bien aussi. Mais alors, si t'es là le 14 janvier, ça doit être. Honnêtement, pas ouf, tu vois. Honnêtement, c'est pas la folie furieuse. Moi, je t'ai dit, sur l'île de Ré, t'es sur l'île de Ré. Genre le 14 février. Ouais, il y a 13 000 personnes, comme tu dis, ça a divisé par 10. Le 14 février, tu prends un fusil, tu te le mets. Voilà. Honnêtement, tu te prends un 22 long rifle. Dans la bouche, comme ah, ça. Vraiment, terminé, bonsoir. Non, mais t'as envie de canner. Wesh. Le bateau, il est en train de péter, vraiment. Non, mais parce que vraiment, en plus, le truc, c'est qu'à l'île de Ré, faut savoir que si t'as pas le permis. C'est finito. T'es mort. T'es vraiment mort. Il y a un bus par heure, c'est un peu compliqué. Alors, dès que t'as 18 ans. Le but, c'est d'avoir le permis. Ok. Direct. Genre, t'es pas comme un con des grandes villes qui a le permis, genre à 27 ans, il l'a pas, quoi. Ah ouais, non, là, c'est vraiment, tu dois l'avoir, ton permis, parce qu'en plus, le problème, c'est qu'à l'île de Ré, le mode de transport principal, c'est le vélo. Quand il pleut,
c'est chiant. Est-ce qu'il y a genre des grandes pistes cyclables peut-être qui font le tour de l'île? Ouais, oui, tu peux faire le tour de l'île de Ré en vélo sans aucun problème. Ça a été aménagé pour ça et tout. Franchement, il y a aucun souci. Le truc, c'est qu'il faut être motivé, faut le vouloir, quoi. Et moi, bon, comme je t'ai dit, le vélo, une fois, c'est bien. Un milliard de fois, bon, c'est chiant. Attends, je dis là, il y a plein de petites. Il y a une petite allée là. Ouais, il y a une petite allée, ouais. Là, on est vraiment dans le centre de La Rochelle. Genre, il n'y a pas plus centre là. Là, il n'y a pas plus centre. Donc là, on est à côté de la place de Verdun, on est à côté de la Grande Horloge. Kiffe. Je kiffe vraiment. Ah, ouais, non, mais là, c'est ambiance estivale, tu vois. Il y a des gens, ils bouffent leurs moules frites. Faut savoir que ici, moules frites, c'est vraiment. Le classique. C'est le classico del Madrido, tu vois. C'est parfait là, tu vois. Après, petit marché, petite ambiance marché. Moi, j'aime bien. Ah, je voulais le voir, je voyais qu'on passait à côté là et je me disais, mais attends, c'est super. Il y a l'air d'y avoir de l'activité à côté. Ah, moi je kiffe de ouf. De toute façon, là on va passer après, ouais, place de Verdun dans les galeries un peu commerciales. Ah, ben Quentin il est parti se prendre une glace. Bah, le roi. Putain, quel gourmand. Bah, le roi. Mais attends, question. Ouais. Piège peut-être. C'est quoi la spécialité locale, genre en bouffe? T'as parlé de moule frites. Est-ce qu'il y a genre un truc qui définit l'ouest, La Rochelle? Putain. La Rochelle, l'île de Ré, n'importe. Bah, après, moi, je sais que sur l'île de Ré, l'île de Ré produit ses propres pommes de terre. D'accord. Et genre, les pommes de terre de l'île de Ré, tu vois, c'est genre. C'est connu. C'est un classique, tu vois. D'accord. C'est vraiment un classique. D'accord, énervé. Après, tu vois, bah, il y a les produits de la mer, genre les huîtres, crevettes, les moules et tout ça. Vraiment, ça aussi, c'est. Enfin, voilà quoi. Ouais, ouais, normal, ça. Normal. Mais après, un vrai incontournable. Tu vois, par exemple, à Lyon, il y a la quenelle, il y a le saucisson. Non, tu vois, un vrai incontournable. Je pense que lui, il doit savoir, parce que lui, c'est plus un gourmet. Monsieur Quentin le gourmet, quelle est la spécialité culinaire de la région? Peut-être, tu vois, de l'île de Ré, de La Rochelle? Bah, les huîtres. Les huîtres, tu vois? Ouais. Non, en vrai, c'est. Est-ce que ça. Je peux poser la question, vu qu'apparemment ils n'ont pas la réponse? Est-ce que tu connaîtrais la spécialité culinaire de la région? Genre de l'île de Ré, de La Rochelle? À part le caramel, non? Le caramel? Ouais, le caramel. Ah, le caramel, c'est un classique ici? Fleur de sel. Caramel fleur de sel. Caramel fleur de sel. Moi, Yass, il m'a dit que l'île de Ré, ça faisait ses patates, ses pommes de terre. Ouais, ouais. Pommes de terre de l'île de Ré, elles sont très bonnes. Ah bah, moi, je vais bien prendre un. Ah, t'as faim, toi, hein? Non, de l'eau. J'ai soif. Eh, t'as voulu faire un gros mot, hein? T'as voulu prendre non, ta non, crème. Non, 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 je veux dire, il est timide, il est comme ça. Ah non, quand j'ai entendu, ouais, pas de carte bancaire, c'est Zach en plus doit le rembourser. Bon, on va prendre de l'eau. Mais non, mais t'inquiète. On va prendre de l'eau. Parce que toi, je crois que tu te réserves pour une glace après. Ouais, après on va aller à la Martinière, mais ça sera tout à l'heure. Ouais. Quand on sera sur l'île de Ré, c'est la glace. Tu sais, ça me rappelle quoi ce truc de horloge? Non. Si t'y vas un jour, et peut-être que ceux dans la vidéo qui ont déjà eu la chance d'y aller, ça leur dit quelque chose. À Prague, dans le quartier juif au centre-ville, t'as une place immense. Et t'as une tour de l'horloge comme ça. Ouais, comme ça. Mais où l'horloge elle est carrément plus grosse. C'est vraiment énorme. Et c'est genre de petits trucs avec un passage. Alors là-bas, il n'y a pas de passage à côté, je crois, ouais. Que c'est un bâtiment et tout, tu vois. Mais avec un passage comme ça, là. Ah, c'est le charme d'une ville, tu vois. Là, ça tue. Là, normalement, là on va passer du coup sur la Grande Horloge. Si tout se passe bien, on va croiser 2-3 clodos. Ok. Vu qu'ils sont toujours là. Donc là, on va rentrer, disons, dans le coin un peu commercial. Non, en réalité, sur ces artères, c'est le classique, genre McDo, Zara, H&M, Snack. Là, il n'y a pas de McDo, là. Y a pas? Là, il n'y a pas de McDo. L'avantage ou l'inconvénient, c'est que dans le centre, même là, il n'y a pas de McDo. Il faut juste s'éloigner. Ben, comme je t'ai dit, au minimum, là, il y a un McDo là-bas. Moi, j'aime bien, tu vois, quand tu es dans une ville comme ça, un peu dans le centre, et que tu en ressens un peu l'âme, tu vois, genre l'histoire. Ouais. Et je trouve que là, c'est ça. Ah non, moi je trouve que bah, je ressens ça là, tu vois. Pour moi, La Rochelle, ça a du charme de fou, tu vois. C'est pas dans. Par exemple, c'est pas comme Brest. Désolé à Rivenzy tous. Rivenzy va venir t'attraper. Hein. Non, mais voilà, désolé à tous les Brestois, mais quand je suis allé à Brest, complicado quoi. Ex-Lutze, c'était l'ex-URSS. Mais vraiment. Après, tu vois, j'ai un peu. Oh. Quand j'ai demandé, ouais, pourquoi Brest est comme ça et tout, tu vois, j'ai compris. Vu qu'ils sont fait décimer par la guerre et tout. Mais là, tu vois, voilà le vrai charme marin, tu vois. La Rochelle, mon pote. Ça là, Eugène Fromontin. D'ailleurs, il y a un collège à La Rochelle qui s'appelle le collège Fromontin. Et il a fait quoi, Eugène Fromontin? Alors, Eugène Fromontin, il a l'air d'être important, hein, je vais pas te mentir. Je crois que c'est écrit peintre, si je sais lire, ou je me suis peut-être trompé. Peintre, écrivain, historien de l'art. Historien de Eugène Samuel Auguste Fromentin, né le 24 octobre 1820 à La Rochelle, où il est mort, 27 août 1876. Est-ce que tu penses? Est un peintre et un écrivain français. Il est l'un des représentants majeurs de la peinture orientaliste. Est-ce que tu penses qu'un jour il y aura la statue d'Yassin encore ici? Pas du tout. Franchement, j'en doute. Genre Yassine, Yassine, ton nom et ta ganache là. Franchement, j'en doute. Ah non, mec, je. Je pense pas que dans ta vie t'aies fait assez de choses positives. Ça, vraiment. Après, en vrai, s'ils voulaient partir sur un challenge en mode on met des gros connards dans la ville, là peut-être. Ah, peut-être que là, oui, déjà, je pense que là, il y a. Je pense que j'aurais une statue, tu sais, bien dictatoriale en mode. Tu sais, comme les statues à l'époque. Genre, t'en bombé un peu. Voilà, tu vois. Bien gigantesque. Là, tu vois, je l'aurais eu ma statue, mais là, bon, compliqué. Donc là, comme je t'ai dit, tu vois, il y a des petites arches. Ouais. Elles sont plutôt cool. Il y a un Micromania pas loin. Voilà.
c'est l'information... L'information nulle. Ouais, l'information nulle. À chaque fois, je me dis, ah putain, il y a le Micromania là, elle est trop bien. À chaque fois, je vois les petits, toi aussi, ça te fait ça quand je passe devant des magasins de jeux vidéo. Je me rappelle un petit peu de quand j'étais jeune. Bah ouais. Et où, moi, quand j'y allais, lire l'arrière de la boîte, ça m'importait. Moi, je kiffais de ouf Micromania. Après, j'ai compris que c'était les plus gros escrocs de France. Tous les jours, je me réveille et j'espère l'anéantissement de Micromania. Tous les jours. Parce que moi, je me demande comment c'est possible qu'ils existent encore. Bah dis-toi, ça existe de moins en moins. C'est-à-dire bah, par exemple, tu vois, genre une ville, un classique, tu vois, elle a sa librairie, son magasin de jeux vidéo, ouais, son truc de fourniture, machin, nanana. Ouais. Vu que maintenant, et je suis le premier à le faire, tu vois, acheter full Amazon, les jeux full dématérialisés, tout ça, machin, ouais, vu que ça va disparaître un peu tout ça, tu te dis pas, peut-être dans une ville, ce sera moins cool. Je sais pas, genre, bah, je pose en la vrai, question. Moi, je te prends l'exemple, après, bah, de l'île de Ré, il y avait un magasin de jeux vidéo, et du jour au lendemain, il a disparu. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé du tout à la vie et tout. Tout le monde s'en battait. Genre, peut-être que la ville est plus définie par genre son histoire, ses monuments que les magasins, quoi. Ouais. Donc, moi, je pense, ouais. Je pense que oui, pour le coup, c'est. Tu vois, on en a rien à foutre que le Micromania disparaisse. Je pense. Parce que je sais qu'il y a des mecs qui doivent être un peu nostalgiques de ce moment où ils après, allaient... Après, moi, je trouve ça toujours agréable de rentrer dans un magasin, dans un Micromania, tu vois, et je sais pas, l'ambiance, je kiffe de ouf. À l'époque, moi, quand j'étais petit, je me suis dit, putain, vas-y, j'ai trop envie de taffer dans un Micromania. Mais parce que moi, je pensais qu'après, je pouvais prendre tous les jeux. Je pense qu'on s'est tous dit ce truc quand on était plus jeune. Hein. Après, j'ai découvert la vérité, je me suis dit, bon, on va éviter. Le palais de justice. Donc, si tu vas là-bas, c'est que souvent, c'est que t'es. C'est problématique. C'est problématique. J'ai mis une fois les pieds là-dedans. Pourquoi? Pour ma petite connerie en scooter. L'année dernière, le jour de mon anniversaire. Ce petit con est allé au palais de justice. J'en suis pas fier. Mais c'était quoi ta bêtise en scooter? Disons que j'avais conduit un peu plus joyeux que d'habitude. Les idées pas claires. Voilà. Mais t'en as retenu la leçon? J'en ai retenu la leçon. Et surtout, ils ont été très gentils avec moi. Pour le coup, j'ai juste pris 150 euros d'amende et ils m'ont dit recommence pas. Là, on va arriver place de Verdun, qui est la place du coup... Principale de La Rochelle. T'as fait quoi cet été, toi? Cet été, mon gars, c'est simple. Je me réveille, midi, plage, foot, barbecue, pergo dodo. Pour ceux qui connaissent Île de Ré, la pergo, ils savent très bien de quoi je parle. Mais attends, là, foot, barbecue, plage, dodo. Ouais. Mais n'est-ce pas les composantes d'une vie parfaite? Bah évidemment. Surtout que cet été, on a eu un été, bah en tout cas ici, exceptionnel. Le temps était incroyable. Il faisait pas trop chaud? Bah à un moment quand même, ça tapait fort. Il a fait au maximum 42 degrés. Et là, 42 degrés, là tu dis, bon, on va calmer le truc, tu vois. Mais non, mais sinon, moi tu vois, je suis heureux. J'ai tous mes meilleurs potes ici, j'ai ma famille, tu vois, je les vois pas. Quand je suis à Paris, bah moi je les vois pas. Ouais, donc du coup moi, tu viens à Paris l'année et tu viens ici l'été. Exactement, et du coup moi je suis content de voir mes potes. Ah, attends, mais c'est une grande place. Ouais, après tu vois, dans la place de Verdun, bon palmarès, il y a un manège quoi. Moi je vais être honnête avec toi, il y a des places, elles arrivent à avoir un peu de flow, il y a des places, elles sont inutiles. Alors je sais pas si c'est le cas de la place de Verdun, j'en sais rien, elle porte un nom glorieux, Verdun. Ouais. Un grand moment de l'histoire de France. Là, tu vois, place de Verdun. Bon, l'utilité de la place de Verdun, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre le bus. C'est ouais. Le pôle des bus, là. Voilà, c'est vraiment... quand tu vas essayer l'île de Ré, tout là-bas, t'as le bus pour aller sur l'île de Ré qui passe une fois par heure. À l'époque, il coûtait 5 balles. Quoi? À l'époque, il coûtait 5 balles. Maintenant, ça a baissé. C'est 3,80€, il me semble. Ça va. 20% de baisse. Après, là, t'as les bus, disons, Rochelet. Ok. T'as les bus de La Rochelle où, en gros, si tu allais dans les quartiers, genre Périgny, Étré, La Gorne, hein, c'est les quartiers autour de La Rochelle. Ouais. C'est comme, tu vois, Paris, le Valois, c'est la banlieue, quoi. Ok, je vois. Et tu vois, c'est le bus Yellow et tout se passe ici, à Verdun. C'est là où c'est le gros pôle d'échange, c'est là où tout se passe. Là-bas, il y a l'hôtel de police. Je suppose il y a la mairie, non? Bah, en fait, à chaque fois, parce que je crois que je suis qu'un pauvre abruti. Parce que ça, je sais pas si c'est la mairie ou une cathédrale. Accès cathédrale, c'est marqué là-bas. Ah, donc là, c'est la cathédrale. Non, mais je crois que la mairie de La Rochelle, merde, mais allez, je suis con, quoi. Quentin, à la rescousse. Quentin, la mairie de La Rochelle non plus. Il sait pas, tu sais pas. Google Maps. Non, mais je sais qu'en tout cas, l'hôtel de ville. Là-bas, il y a l'hôtel de ville. Même, il avait pris feu, il me semble. Il y a 4 ans. Ah ouais? Il avait pris feu il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Donc je pense que ça doit être une sorte de mairie. Je sais la pas mairie quoi. Est vers là-bas, un poil plus loin. Ouais, ça doit être ça. Place alors, Jean-Baptiste Marseille. Et même que ça a pris feu. Donc je pense que ça doit être ça. D'accord. Je pense. Putain, le mec ne connaît pas du tout la mairie de la ville. Mais moi, je vous ai dit, les mecs, je ne suis pas Rochelet, je suis Rété. Ce n'est pas pareil. C'est comme par exemple quand moi je dis. Ouais, j'ai l'île de Ré. Ah non, l'île de Ré, l'île d'Oléron. Non, ce n'est pas pareil. L'île de Ré, c'est l'île de Ré. L'île d'Oléron, c'est l'île d'Oléron, les mecs. Écoutez la diatribe d'un mec qui ne veut pas qu'on confonde de là où il arrive. Voilà. De là où il vient. Donc là, tu vois, tranquillement, on arrive sur la place du marché. Bon, là, évidemment, ça pue sa mère parce que le marché, bon, il est fermé.
t'avoue que moi je sais pas du tout à quoi ça ressemble par côté intérieur. Mais moi je t'avoue que mec, ici je viens vraiment juste pour aller chez le coiffeur parce que mon coiffeur il est juste à côté là chez Wari. Pour ceux qui connaissent, d'ailleurs qu'il a augmenté ses prix, bâtard. Wari, si tu nous entends, Yaya s'il a un message à te passer. Vraiment. Mais non, mais ça tu sais, c'est les barbiers. Tu sais, quand ils ont l'espèce de truc jaune, bleu là, l'américaine qui tourne. Bleu, blanc, rouge en plus. Ils gonflent leur prix, ça m'exaspère. Donc arrêtez de faire ça. Soyez normaux les mecs, faites des coupes à 10 balles comme tout le monde et on sera content. En gros, je t'avais parlé d'un truc qui avait pris feu, ça c'est bah, l'hôtel de ville, si je dis pas de conneries. Ouais. Et du coup, il y a quelques années, c'était il y a 4-5 ans, ça avait pris feu. Alors est-ce qu'on y est ? Rue de l'hôtel de ville, juste là. Rue du Passy. Hôtel de ville de La Rochelle, ouais, et donc là ça avait cramé là. À l'intérieur et tout, ça avait cramé. La pierre bien blanche comme ça là, je... Ah tu vois, regarde. Tu vois, j'avais dit que ça a pris feu et là-bas ils ont illustré. Ah oui. En 2013. Bon, oh ça oui, commence oui. En fait un peu à dater. Ah, ça avait bien pris feu, hein. Ça avait fait le tour de la région, tout le monde en a entendu parler de ça. Hein. Et il recommence la construction 3 ans après quasiment, regarde, ouais. En 2016. Ouais. Je trouve vraiment que ça a de la gueule de fou, tu vois. Ah ouais, ça a du flow, moi j'aime bien, je kiffe. Tu sais ah. Que là, avec la chaleur, le beau temps et le fait qu'on arrive un petit peu à la fin de La Rochelle, j'ai envie d'aller à Lille. Ah bah oui. Je veux aller à Lille, là, mec. Ah bah ouais, là ça régale, là ça va être bien. J'ai un feeling, là. Oh, c'est sympa, là. Tout le monde, il y a de la vie et tout. Ah bah gros, c'est blindé. Tu sais, moi, ce qui me fait quand même bien plaisir, et ça, bon, maintenant, ça fait quelques mois que cette magie, elle est déjà réintégrée, donc elle est plus vraiment là. Quand je revoyais de la vie comme ça... Après les périodes de confinement et tout. Après les périodes de confinement et tout, mec, ça a été incroyable. Alors certes, c'est vrai que 2020, même de mars 2021, il y avait eu des confinements, machin, mes couilles. Mais c'est vrai que depuis, ça s'était quand même assez calmé. Ah oui, oui. On n'a plus revécu le, tu sais, le truc. Heureusement, les couvre-feux et tout. Voilà, tu vois. Et donc, ce que je veux dire, c'est que revoir de la vie un peu comme ça, même si c'est naturel et c'est vite re-rentré... Là, tu vois, c'est bien, là. Ça fait plaisir, quand même. Là, tu vois, les parcs qui sont remplis. Ouais. Là, il y a la tour qui est là, avec une queue qui est absolument... dantesque. Aberrante et flippante. Il y a des chiards partout. Là, tu vois, le petit port, tranquille, la marée est basse. J'aurais aimé la marée haute. Ouais, c'est dommage, je sais pas à quelle heure elle est haute, quand la marée. Quand c'est marée haute, ça monte vraiment jusqu'en haut. Ah ouais, c'est une marée haute, quoi, comme l'indique son nom, c'est... Je sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais je sais qu'avant, il y avait le bateau l'Hermione. Tu connais un peu le nom, pas du tout. Ça me dit un truc, c'est quoi déjà le bateau l'Hermione? Qui est un espèce de voilier ou je sais pas quoi, bref, un espèce de bateau pirate, bref, qui est assez ancien et du coup, il était situé à La Rochelle. Ah, cool. Genre les mecs, j'ai envie de lâcher un banger aux chiottes là. Ouais. Attends. Genre que t'es en train de marcher avec le ventre sous tension là. Ouais, vraiment. Tu vois, là, donc sachez bon. Qu'au moment où il est en train de marcher, il a un colis à l'intérieur qui lui presse. Ah ouais, vraiment, j'ai. Ça frappe à la porte là. Ah, ça frappe à la porte de ouf là. Là, tu vois, là-bas, musée maritime, espace en camp, là où il y a tous les skateurs trop cool, trop stylés. Tu kiffes la vibe, mec. Ouais, voilà. Qui écoutent du Serran, des trucs comme ça, là, un peu bizarre. Genre des rappeurs à 25 000 auditeurs, ouais, mais vraiment. Tu comprends pas, il est trop fort. Vraiment. Aquarium de La Rochelle, qui est juste ici. Oh, l'aquarium. Ah, c'est ça ce que tu me disais tout à l'heure, un des principaux aquariums d'Europe. L'aquarium de La Rochelle, qui est, si vous venez à La Rochelle un jour, un incontournable, je pense, à faire. C'est hyper intéressant, super beau, super cool. Là-bas, après, c'est le quartier du coup des minimes. Là où il y a université, méga CGR, McDonald's, Burger King. Ok. Tout ça, c'est vraiment à côté pour le coup. Là, on voit que le haut du club, que le haut de l'horloge, c'est la gare. Là où il y a la gare. Ok. C'est à 5 minutes à pied. Là, tu vois, il y a toujours des petites boutiques aussi pour louer des vélos. Surtout à l'île de Ré, où il y en a, je pense, à chaque coin de rue. Hein. Ouais, tu me disais que les vélos à l'île de Ré, c'était le classique. C'est une institution. Yes, je vois que chez toi, il y a... le pain de taquille, mon gars, vraiment. Bar gaming et jeux de société, putain. Je ne l'avais jamais vu. Et pourtant, mon pote, il habite vraiment bah, là. Il habite là. Le pinte à kill. Putain, il joue à quoi là-bas? Oh, le bar de geek. En vrai, il joue à quoi? Rocket League. Ah ouais, il joue à Rocket League. Putain, incroyable. Exceptionnel quand même, le blaze. Hein. Pinte à kill. Attends, il faut que je le prenne en photo, ça. Ah, t'es content là, hein? Ah, bah là, mon gars. Il est content, la Yuri. Hein. Oh putain, pinte à kill. Monsieur, maintenant que tu nous as montré ce petit quartier et qu'on a fait, je suppose, un bon tour de La Rochelle, n'est-ce pas le moment? Là, maintenant, on va retourner à notre voiture, ouais. Très tranquillement, parce que bon, pour aller sur l'île de Ré, quand on est à La Rochelle, c'est simple, t'as pas 36 000 solutions, c'est soit la voiture, soit... Le bus dont tu nous as parlé, soit là. Tu prends le bus, soit t'es un touriste, tu vas en profiter, tu prends le bateau inter-île qui te dépose à Saint-Martin. Mais nous,
on va prendre la voiture tranquillement, on va traverser le pont. Ouais. J'espère que le pont ne sera pas bouché. C'est pas des petits bouchons en mode t'avances non, à 2 km/h. C'est du réel. C'est vraiment, c'est des t'es bouchons. À l'arrêt. T'es à l'arrêt, tu peux sortir de la voiture, tu fumes ta garo, tu fais une petite danse et tout, ça n'avance pas. Moi j'espère que c'est bouché comme ça, Alex sort de la voiture, il fait des plans. Ah bah putain. Messieurs, bienvenue sur l'île de Ré, ma t'es patrie, content, là. Je sens que tu t'es un peu... ma patrie, la fierté, j'en suis fier de cette île, donc là nous sommes à Saint-Martin, patrimoine mondial de l'UNESCO, les fortifications de Vauban, tout ça qui sont là, magnifiques, incroyables. Moi j'aime bien là cette petite vue, etc, le bel océan. Donc là, en face, la Vendée, après là-bas, mais c'est genre, je pense que ça doit être Lumeau. Voilà, vous le verrez sûrement pas, mais tout au fond là, il y a La Rochelle, c'est ça ? Lumeau, La Rochelle, ouais, bon, j'exagère un petit peu. On va dire que c'est La Rochelle. Je vais me faire insulter en commentaire. Ouais, c'est pas La Rochelle et tout. Puis là, du coup, on va aller à Saint-Martin. On va se balader un petit peu sur le port. On va manger une glace qui est une des meilleures glaces de France. Faites maison et tout sur l'île de Ré. C'est là, tu vas là-bas. Les ânes en culotte, mon gars. Là-bas. Comment ça, les ânes en culotte? Là-bas, il y a des ânes en culotte. Mais je veux aller voir des ânes en culotte. Parce que oui, aussi la particularité du coup de l'île de Ré, c'est que il y a des ânes. Donc il y a des ânes, des ânes, on peut en trouver partout. Mais la spécialité, c'est que ils ont un froc. Et ça, je ne sais pas, je n'ai pas l'explication. Je les vois là, ils sont juste là. Je n'ai pas l'explication officielle. Il m'en parle depuis ce matin. Il me dit qu'il y a des ânes en froc. Là, tu vois, Tu veux faire un tour d'âne? Oh, moi, je fais certes. Non, je crois que c'est réservé qu'aux enfants. Bah justement, tu vas faire un tour d'âne. Sale chien. Donc là, après, tu vois, là, bah, moi, je connais du coup le palais de la gourmandise. Saint-Martin-l'Île-de-Ré. Chichi, tout ça. La maison Fricot, évidemment. Je leur fais un bisou. Je recommande à tout le monde d'aller au palais de la gourmandise chez les Fricot. Puis là, voilà, les ânes en culotte. Les gens, ils sont contents, ils se baladent. Regardez là, on va avoir un petit âne juste là. L'objectif aussi pour toi, c'est de goûter une huître. Il faut que tu goûtes une huître. Je lui ai dit que j'avais jamais goûté d'huître de ma vie. Il m'a dit tu peux pas sortir de l'île sans en avoir goûté une. Et là, tu vas regarder. Ils sont gentils, par contre, ça pue. Hein. Des ânes en froc. Bah ouais. Moi, je trouve ça stylé, sérieux. Et c'est une tradition depuis des années et des années. J'aime bien ce petit parc, la petite vue, le phare juste à côté et tout. Ouais. Et là, tu vois les remparts. Tu vois, bah, les jeunes, nous, quand on avait 17 ans, un truc comme ça, bah, on sautait. Enfin, j'ai sauté une fois parce que moi, je suis une flippette. Notre camarade Quentin, qui est juste là, lui, il sautait souvent des remparts. Et il y a plein de jeunes qui sautent des remparts, ils s'amusent, sont contents. Et aussi, la petite anecdote, il y a toujours une boîte d'ailleurs qui s'appelle le Bastion, juste là, qui est construit un peu sur le bord. Et en fait, quand les gens y sortaient, bah ils étaient bourrés, ils sautaient. Ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. Hein. Voilà. Et terminé, Papa Johnny, bonsoir. Quoi. Oh, les débiles. T'as dit quoi dans la voiture sur les Parisiens à l'île de Ré? Ah ouais, c'est vrai. Alors les Rétés, on déteste. Enfin, c'est pas on les déteste. Mais c'est on a beaucoup de mal avec les Parisiens parce que les Parisiens ne savent pas se comporter. Ils savent pas se comporter et surtout, tu les crames à 1 milliard de kilomètres et c'est insupportable. Genre, c'est quoi? C'est dans les habitudes, dans l'attitude, dans les vêtements? C'est dans quoi? Mon bon vieux. Comment Zach, ça va? On est en train de tourner une vidéo. Il me parlait des Parisiens sur l'île. Voilà, il en faut. Bah ouais. Pour faire tourner des affaires comme lui, tiens, à la maison Fricot, mais après sinon souvent c'est des petits enfoirés. Souvent. Donc là en face, musée Ernest Cognac. Palmarès du musée, je l'ai visité une fois quand j'étais au collège, visite obligatoire mes couilles. Je préfère te dire que j'avais pas du tout envie d'y aller, j'en garde aucun souvenir. Attends, par contre c'est magnifique. Là on va justement on arrive au port de Saint-Martin. C'est énervé. Oh là 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 là. Eh, mon œil m'a attiré là. Là, on arrive au port de Saint-Martin. Y a du monde et là, il y a du monde là. Ça a l'air incroyable. Là, il y a du monde, donc on va prendre la petite glace. Vas-y, let's go. C'est là-bas. Et tu vois, si tu veux un jour ramener ta compagne ou si même les abonnés veulent ramener. Ouais, c'est bien un conseil, les abonnés. Si les abonnés veulent ramener leur compagne ou voilà, venez ici, venez sur l'île de Ré. Vous n'allez pas être déçus. Vraiment. Venez, l'île de Ré, Saint-Martin de l'île de Ré, le port. Conseillé par Yas. Ah bah oui. De toute façon, c'est un des endroits, je pense, les plus connus de l'île de Ré. Là, le port de Saint-Martin. Oh là bien là blindé. Là il y a la blinde aussi de restaurant. Là, mon gars, si t'as faim, normalement, t'es pas déçu. Putain, mais tu sais qu'en vrai, je pensais plus que c'était des petits villages, alors que ça fait vraie petite ville, en fait, tu vois. Bah, ça fait vraie petite ville. Après, t'as quand même des petits villages. Mais là, pour le coup, Saint-Martin, ouais, c'est... Ouais, c'est la commune principale. Ah, c'est la commune principale. Et là, ça régale. Bah, c'est d'ailleurs là où il y avait mon collège aussi. Tu sais que c'est énervé avec les petits bateaux, tout ça, ah, machin. Ouais, c'est très, très beau, hein. L'accès direct à la mer derrière, là. C'est très, très beau, ouais. Les petits restaurants de partout.
Ah bah ouais. Après, je trouve, c'est aussi dans ces endroits où paradoxalement, tu vois, même s'il doit y avoir du très bon, c'est aussi là où t'as vraiment les restos attrape-touristes bicoque dégueulasse. Hein. Ouais, ouais, de ouf. Genre, je parie que les meilleurs restos de Saint-Martin-de-Lille, c'est pas autour ici. Hein. Bah, moi, je t'avoue que bon, moi, je suis pas un fin gourmet. Donc, les bons restos, bon, j'y vais pas. Moi, je me contente de peu de choses. Mais il doit avoir. T'es un peu simple, toi. Ouais, moi, je suis en simple. Mais il doit avoir. Merci. Mais il doit avoir des trucs régales. Par contre, là, le monde qu'il y a, Il est où classé, juste là? Ouais, la Martinière. Et là, il y a une multitude de goûts, il y a tout ce que tu veux. Il y a aussi une multitude de gens. Multitude de gens, ouais, aussi. Bah, il y a des goûts, par exemple, huîtres, pommes de terre de l'île de Ré. Il doit avoir aussi, je pense, 2-3 goûts. Si je prends la glace goût huître, ça goûte comme une huître. Ça compte comme une huître. Je t'avoue que je n'ai jamais goûté. Je n'ai jamais pris la glace goût huître. Mais normalement, vu le nombre de goûts qu'il y a, tu devrais trouver ton bonheur. Alors attends, mais regarde, c'est noir de montre. Ah bah ouais, la réussite de la marque. Parce que je t'ai dit, c'est vraiment, quand je dis que c'est un des glaciers les plus connus de France, c'est que c'est vraiment un des glaciers les plus connus de France. Et je ne rigole pas. Enfin, allez. Ça fait toujours du bien. Le câlin, ça te fait chaud au cœur? Ah, ça fait toujours du bien. Et ça te fait chaud au cœur? Aussi. Ouais. Et ça fait chaud de part aussi. Bizarre. Il est insupportable. J'aime bien. Tu sens à l'aise là, hein? Ah, là je suis bien. Ah, mais là je suis chez moi. Hein. Là je suis chez moi. Moi je vais te prendre une glace en cornet, chocolat blanc s'il te plaît, et une glace en peau framboise. Ah ouais, t'es gourmand toi. Bah, c'est pour Quentin la glace peau framboise. Ouais, t'es gourmand. Ouais. Ah ouais. Toi t'as pris chocolat blanc? Ouais, chocolat blanc. Tu me conseilles un truc et tu prends pas? Parce que moi j'ai déjà goûté. Bah, moi j'ai déjà goûté. Là, chocolat blanc parce que j'aime bien ça, tu vois, c'est bon. Ouais, tu commandes pas pour nous. Il a pris sa commande, il part. Oh le crevard! Et t'es content, t'as ta glace avant moi? T'as oublié? Ouais, je vais goûter, ouais. Oh putain! L'enfoiré! Bien, hein? Franchement, ça régale. Merci, Yass. Ce chien! On est tous ensemble, il commande son truc, il paye et il part. Et il est content! Le rat. Yass, t'es pardonné. Ah bah oui! Parce que ce goût est absolument exceptionnel. Ah ouais? Tu sais que franchement, on va croire que j'abuse. Mais c'est un bon 8 ou 9 sur 10 cette glace. Hein. Bah ouais mon gars, t'es mal à les prix d'immobilier mon gars. Bah c'est bien, y'a rien en dessous d'un million. Tu sais, t'as un petit truc à 700 000. Ah bah ça fait rêver. Hein. Atelier de la Martinière, là ils vendent des macarons, des petites sucreries, des petites gourmandises comme ça, plutôt pas mal aussi. Si t'avais percé dans le monde du stream, genre t'avais 30 000 subs, show H1 ou ouais, un streamer américain, et que t'avais ça pendant genre 2-3 ans, ça te fait des millions. Genre vraiment financièrement, t'es au max. Mm. Tu viendrais acheter une des baraques à 1 million ici ou pas? Ah ouais, sûr et certain. Moi j'ai dit de toute façon... Ouais, t'investirais ici. Moi quand je serai vieux, j'irai ici. Je crèverai ici mon gars. C'est vraiment Ah bah c'est mon c'est vraiment quand je dis que c'est mon terre-terre, c'est vraiment j'ai. Ok, donc on est vraiment. Genre toi t'es vraiment amoureux de ta région. Bah en fait ce qui est chiant c'est quand t'es jeune, ici bah c'est chiant. Là tu vois c'est animé, c'est l'été, c'est cool. Mais quand t'es jeune, bah. Enfin quand t'es jeune, quand c'est l'hiver pardon, c'est vide. C'est vide, il fait pas beau, tout est fermé. T'as rien à faire. En plus ici tu vois la connexion internet elle est un peu cata. Est-ce que je suis en 4G ou pas? Là tu vois je suis en 3G. Donc compliqué. Après la l'île de Ré ça commence à être fibré. Genre toi t'as la fibre là donc? Ouais moi j'ai la fibre. Mais c'est pas partout pareil tu vois, c'est quand même compliqué. Donc bon, on essaye de s'en sortir. Tu penses qu'en étant plus vieux, avoir ta propriété, ton truc, c'est le kiff? Pour les retraités par contre c'est exceptionnel. Pour un mec à la retraite, tu vis ici mon gars, t'es royal, t'es tranquille, tu te fais un kiff, tu te prends un bateau, voilà quoi, c'est la vie. J'ai eu ce mood au sud du Portugal. Ah ouais? Ouais, sud du Portugal, j'étais allé sur une île à côté d'Oliao, pas loin de Faro, ça s'appelait l'île de Farol. Mmh. Et t'as 2-3 villages dessus, plage sublime, et des villages qui sont moins grands que ça par contre, pour être honnête, hein. Mais plein de petites maisons. Et je m'étais dit, mais mec, c'est des mecs, si t'as une petite maison comme ça là, mais c'est le bonheur, un truc de fou tu vois. Autant La Rochelle c'était pas mal, autant je suis 100 fois plus sous le charme d'ici. Ah bah oui, je tiens ici, à le dire. C'est, ici tu vois c'est, comment dire, tout ça, machin. La Rochelle il y a beaucoup plus de monde et tout là, je sais pas, c'est une ambiance plus locale. Ouais, plus t'as rien que la vue là en haut avec le plocher. Ah ouais c'est vrai qu'on peut monter en haut, putain je suis jamais monté en haut, de toute ma vie. C'est vraiment... Ah ça tue hein. Vraiment magnifique. Donc là, on va dans un city stade où on va jouer au foot. Ouais. Parce que voilà, pour ceux qui regardent un peu mes stories sur Instagram, bon, bah, à chaque fois, je mets des stories de nous qui jouons au foot. Des stories de Cro-Magnon, hein.
Vraiment. Il joue torse nu comme ça, il met des grosses frappes. Ça se la donne. Là, s'il y a du monde, en principe, il y a du monde. S'il n'y a pas de monde, c'est le flop du siècle. S'il y a du monde, là, ça va se la donner. En plus, le temps, il est parfait et tout trop trop bien. Le cadre est un peu particulier parce que, comme j'expliquais du coup tout à l'heure, en fait, bah, là, à Saint-Martin, il y a une maison centrale et tout. Nan, et en fait, bah, le City Stade, il est... à côté de la prison, c'est ça ? Le City Stade est à côté de la prison. Et en fait, et juste à côté encore, il y a la plage. On a vu bah, Saint-Martin, en vrai, bah, le port, c'est ce qu'il y a à voir. Après, tu vois, les communes de l'île de Ré, ça reste quand même petit. Ouais, bien sûr. L'eau de petites communes réparties un peu partout. Voilà. Je parie qu'elles ont... Elles doivent pas toutes avoir un port. Non, bah par exemple moi à Sainte-Paris, enfin on a un port mais c'est un port de pêche. D'accord. Tu vois donc c'est nul, il y a rien à voir, il y a pas du tout de commerce ni rien. Et par exemple, bah, au bois par exemple, il y a pas de port mais il y a les plages. Genre la plage de Grosjean, c'est une des plages je pense les plus connues de l'île de Ré. C'est quoi ton top 3 des plages de l'île de Ré? Bah moi en fait, je vais tout le temps à celle je vais toujours à celle du bois. Mmh. Je vais toujours à celle du bois, j'aime beaucoup la plage des Sauzes. Grosjean, le problème c'est qu'il y a trop de monde, les Goulandières, il y a trop de monde mais j'aime bien. J'aime bien en franchement celle de la plage de Régly, ça arrive d'où? J'aime bien l'ambiance, j'aime bien, c'est plutôt pas mal ouais. Je pense que ça serait ça, je pense mon top 3, mais mon premier c'est les Sauzes. Du coup, on va faire foot et après si Zach veut toujours, on fera un petit plouf dans l'eau et puis moi je suis chaud. Voilà, ça régale. Après attention. Putain, les huîtres. Tu vas pouvoir la goûter ton huître, mon gars. Oh non. Tu vas la goûter ton huître. C'est pas n'importe qui, quand même. C'est que j'ai peur de vomir. Mais c'est trop bon. Ah ouais? C'est trop trop bon. J'ai jamais goûté d'huître de ma vie, mec. Je n'ai jamais goûté d'huître de ma vie. Jamais. Jamais. C'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est une chance. Je sais pas, j'aime pas ça. Ah, putain. Ah, moi j'adore ça. Il a dit qu'il aimait pas. Mais après, pas les ça. Huîtres, c'est soit t'adores, soit tu détestes. Hein. Y a pas d'entre deux. Hein. Oh là 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 là. Mais tu sais qu'avant le foot, là, tu vas m'envoyer ça dans le bide. Ouais. Et là, tu la gobes. Et genre, ça glisse tout seul? Ouais, ça glisse. Décollé, t'as juste allez, vas-y, prends-y. Bon appétit, Zach. C'est soit tu dégueules dans une minute, soit tu kiffes. J'ai pris le jus, mais pas le... Merde. Aspire. J'ai pas aspiré. Vas-y. Attends, c'est bon, t'inquiète, je vais y arriver. Ouais. Il a l'air d'aimer. Ça a pas de goût. Quoi? J'ai avalé direct, j'ai pas croqué quoi. Mais comment ça, ça a pas de goût? Ça m'a fait... Ah, faut croquer. Putain, on a niqué notre c'est chance. Comme si tu putain, attends, en vrai, franchement, c'était pas mal. Attends, on va... Oh, ok, alors là... Non, c'est bon. Franchement, c'était vraiment bien. Je suis très content. Putain, merde, attends, où est-ce qu'on lui pose? Oh, le flop du siècle. Oh, le flop. Merde, attends, en vrai, on va... Non, je veux une deuxième chance. Non, c'est bon, c'était sûr. Bah oui, c'était très bien, là. T'es sûr? Franchement, j'ai l'impression que t'as pas envie d'en prendre une deuxième, Zach. Non, en fait, tu vois, c'est parce que j'ai pu m'échapper de ça et... Non, tu vas pas t'échapper, mec. Non, tu vas pas t'échapper. Mais moi, j'ai gobé direct, moi. Ouais, il m'a dit que tu gobes, moi, j'ai gobé. Alors non, problème technique, il a gobé direct, il a senti aucun goût. On est désolé, vraiment. Non, mais on va faire autre chose, voilà. Non, mais si j'en envoie une deuxième, c'est risqué, non? Mais là, tu as bien croqué, mon gars. Faut que je croque dedans? Ouais, ah oui, toujours, ah oui. C'est vivant. Ah merde. Ah, c'est vivant. Épisode 2. Épisode 2. Ça va pas bien décollé. Alors là tu prends avec ton doigt. Voilà. Là, tu croques. C'est... Franchement, ça va, non? Avec le citron et tout, ça passe bien. Franchement, c'est bon. Ça va? Voilà, ouais, franchement, c'est t'as bon. Goûté, ouais, ça t'a goûté une huître bien charnue, plutôt douce, quand même. Et voilà. Merci beaucoup. C'est de rien. Bah, franchement, merci pour l'essai. On peut faire une photo? Bah, bien sûr qu'on peut faire une photo. Mais regarde, je vais même te serrer la main. J'ai eu peur pendant un moment. Tout ça pour ça, ça va. Merci, franchement, c'était plutôt bon. Bah, merci pour la tentative. Merci, franchement. Franchement, j'avoue, j'avais peur. Je te jure, j'étais un peu stressé. Tu vois comme mais en c'est fait, bon. Ça va. C'est même plutôt pas mal, tu vois. Bah ouais. En plus, de base, j'ai pas trop de mal avec les produits de la mer. Genre, j'aime bien les crevettes, j'aime bien le saumon. J'aime bien. Ma mère, elle fait des quenelles avec de la bisque de homard, c'est la sauce là. Mmh. Et donc, moi, les fruits de mer, les moules et tout, j'ai aucun souci. Mmh. Mais j'avais jamais goûté d'huître. Quand j'étais gamin, je vais te dire un truc. Quand je mangeais de la viande au Maroc, je détestais quand il y avait du gras. Et donc, à partir du moment où on m'a dit que c'était gluant l'huître, j'avais peur que ça me fasse cet effet. Mais en fait, ah pas non, du mais tout. Je t'ai dit, c'est soit tu aimes, soit tu détestes. Il n'y a pas d'entre-deux. Là, messieurs, nous allons faire du football. Donc là, petit cadre parfait. Les gens jouent au basket ici. Ils sont contents face à la mer. Nous sommes à la cible, plage de la cible. Là, juste là, c'est la prison où il y a les plus grosses peines. Et en fait, là-bas, là, on ne le voit pas. C'est normal. Mais juste en bas, il y a le terrain de foot. Donc on va y aller. Tu m'as dit que cette plage c'était pas ta préférée. À cette plage c'est vraiment... Tu m'as dit qu'il s'était même carrément jamais baigné. Je me suis jamais baigné ici, pourquoi? Parce que moi je considère que ça c'est une des plages qui pue le plus sa mère. C'est pas méchant hein, mais et c'est là où il m'emmène.
Bah malheureusement avec le... Enfin voilà, on n'a pas le temps. Ah ça va, te sens pas des excuses, bah oui, y a pas de soucis. Et voilà, mais... Bah, bon, surtout on veut jouer au foot là. Là on va jouer au foot, on va se la donner, ça va être pas mal. Non mais cette plage c'est pas... Y a beaucoup mieux, y a vraiment mais largement mieux. Tu sais qu'au-delà de ça, rien que moi, là on est mi-août, tu vois, retrouver un petit mood plage, de l'eau, des gens qui se baignent. Un temps sympathique. Tu vois, il y a des gens, ils font du kata. Ça me fait quand même bien chaud au cœur, tu vois. Des cours de catamaran. Il y a des gens, ils font du paddle. Tu vois, il y a des gens, ils sont sur la plateforme, ils sautent. Franchement, c'est pas mal. Là, tu vois, le terrain de foot. Là, fais gaffe, hein, parce qu'après, c'est le vide. Mais quel est ce terrain de foot caché? Ah oui! Attends, mais c'est de là d'où sont les stories où on dirait vraiment que t'es en tôle. Le terrain de foot, il est ici, donc les gens, ils se la donnent et tout pépère. Donc là, terrain de foot et tout, là, c'est mes potes. Là, après, c'est le terrain de volley et là, c'est la plage. Et bah mon pote, t'as le terrain de voler, ça tue. Moi je faisais du volley quand j'étais gamin, moi. Bah ouais, ah ouais. Et j'étais bon, ouais. Oh putain, j'ai bien envie de voir ça. Mec, donc tu sais que par contre tu rigoles, je suis chaud. Hein. Et puis là, bah là, là je pense qu'il y a assez de monde pour faire du foot. T'as vu le terrain, en vrai il pète, hein. Franchement il tue. Merci les gars d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Les villes de France à La Rochelle avec mon frère Yass, c'est terminé. Vous avez vu, on a fait du foot, on a fait plein de trucs. Merci mon gars Yass. Bah, merci à toi d'être venu, je suis très content de t'avoir fait découvrir la beauté de La Rochelle, mais surtout l'île de Ré. Regarde comment c'est beau, le ciel est magnifique. Au début c'était parti pour une journée pluie et dégoût, et là c'est du total régal. Je suis très content, là on se l'est donné au foot, j'ai été bon. Il a été bon, il a marqué, il a été bon. J'ai été bon au foot, puis là en plus ambiance un petit peu hétéro-curieux, on est tous les deux torse nu. Là, on va faire un petit plouf. Faut terminer sur le plouf. Ouais, et là, l'eau, elle est pas très chaude. Là. Les villes de France, prochain épisode, c'est le mois prochain. Vous me dites quelle ville dans laquelle vous voulez que j'aille, peut-être avec quel créateur. Et je regarderai pour organiser ça, ce sera à peu près fin septembre. Vous voulez aller en Corse, il y a Maxime Biaggi là-bas, mon gars. Et ben, on va aller avec Maxime Biaggi en Corse, je vais faire Gilsi Toulouse, et il y a plein de connexions comme ça qui me chauffent bien. Nous, on va terminer gentiment avec un petit plouf. On vous remercie d'avoir suivi. C'est le moment de donner les micros et d'y aller, mon gars. Ouais. Ça fait la tournée.